Débarrassez-vous de tous les dépôts de graisse et des parasites de votre corps sans effort. La parasitose est une maladie difficile à détecter car ses symptômes ne sont pas flagrants. Allant de la fatigue et l'anxiété aux problèmes de poids, les parasites et les dépôts de graisse sont gênants au quotidien. Cependant, une solution entièrement naturelle et quelques conseils de vie permettent de vous en débarrasser. Les parasites intestinaux, à l'origine de la parasitose, sont des organismes qui s'installent dans notre corps et se nourrissent de nos cellules et des aliments que nous consommons. On les trouve dans le corps humain et nous cohabitons avec. Mais ils deviennent pathogènes et agressifs lorsque notre flore intestinale ou notre taux de pH et d'enzymes est déséquilibré. Les symptômes auxquels vous devez prêter attention pour détecter des parasites intestinaux sont la fatigue et l'anxiété, des allergies, des troubles du sommeil, des crampes musculaires et des troubles intestinaux, constipation ou diarrhée, ainsi que des troubles de l'appétit et des démangeaisons d'un corps et de la zone anale. Voici donc quelques conseils pour prendre de soin de vos intestins et un remède entièrement naturel pour nettoyer votre corps des parasites et éliminer les dépôts de graisse. Conseils pour prendre soin de ses intestins. La mauvaise alimentation est la raison principale de différents troubles de la santé. Une hygiène alimentaire saine est bénéfique pour prendre soin de ses intestins et éviter le développement des parasites intestinaux et de la graisse. Il convient de réduire la consommation d'aliments tels que le sucre, l'alcool et les produits laitiers. Réduisez également votre consommation d'hydrates de carbone contenus dans les féculents, pain, pommes de terre, riz blanc. Voici quelques aliments naturels pour préserver vos intestins. L'ail. Cet aliment est un allié pour la santé car il est pauvre en calories et riche en potassium, en calcium et en vitamine A et C. Il lutte contre le mauvais cholestérol et favorise l'élimination des toxines présentes dans le corps. De plus, c'est un puissant antiparasitaire. L'ail a un effet anticoagulant, par conséquent sa consommation est déconseillée aux personnes atteintes d'une maladie du sang ou aux personnes venant de subir une intervention chirurgicale. Les oignons. Contenant du soufre. Les oignons sont antiparasitaires car le jus qu'ils contiennent est très utile pour contrer les vers intestinaux. Mais ils apportent également de l'acide folique, essentiel à la fonction cérébrale, ce qui contribue à la santé émotionnelle et mentale. Toutefois, consommez-les en quantité raisonnable pour éviter un effet inverse, c'est-à-dire des troubles digestifs. L'huile de coco. L'huile de coco est une puissante source en acides gras saturés qui élimine les parasites en détoxifiant l'organisme et en empêchant le développement de certains types de parasites intestinaux. De manière générale, l'huile de coco est bénéfique autant pour l'intérieur de l'organisme que pour la peau et les cheveux.
les myrtilles. Ces fruits contiennent des propriétés bénéfiques pour l'intestin. Avec des propriétés antioxydantes et laxatives douces, les myrtilles améliorent le système immunitaire et facilitent la digestion. Les flavonoïdes qu'elles contiennent réduisent les risques de maladies cardiovasculaires et de surpoids. L'eau. Souvent oubliée, l'eau permet au corps de rester bien hydraté et assure un bon fonctionnement de l'organisme. Elle règle la température corporelle et nettoie tous les organes dont l'intestin. L'eau a un rôle important dans le processus de guérison et de purification intestinale. Boire de l'eau régulièrement aide à éliminer les toxines du corps. Consommez également cette poudre sans naturel qui purifie votre corps et élimine les dépôts de graisse. La recette se trouve ci-dessous. Recette naturelle pour éliminer les dépôts de graisse et nettoyer votre corps des parasites. Ingrédients. g de clous de girofle, 100 g de graines de lin. Préparation. Commencez par moudre les ingrédients ensemble. Ensuite, conservez cette poudre dans un récipient adapté. Consommez 2 cuillères à soupe de cette poudre chaque matin pendant 3 jours. Ensuite, faites une pause de 3 jours et reprenez la consommation de la poudre. Recommencez l'opération pendant 1 mois. Vous pouvez également la consommer en la mélangeant à de l'eau. Bienfaits des ingrédients. Les clous de girofle, dotés de propriétés antiseptiques et anesthésiantes, les clous de girofle aident à lutter contre les problèmes dentaires. Mais ce sont également des antibactériens et anti-inflammatoires puissants qui permettent de soulager les troubles digestifs. De plus, leur teneur en eugénol, une huile volatile, empêche la prolifération des parasites intestinaux. Les graines de lin, riches en oméga-3, en acides gras essentiels pour l'organisme et en fibres alimentaires, ces graines favorisent une sensation de satiété durable. Mais elles réduisent également le taux de cholestérol et agissent positivement sur le système digestif grâce à leur action nettoyante de l'intestin. Mise en garde. Les clous de girofle sont à consommer avec modération car, à haute dose, ils peuvent causer des troubles digestifs comme la nausée ou des vomissements. Ils sont également déconseillés pour les femmes enceintes et qui allaitent et pour les enfants de moins de 12 ans.
Les graines de lin sont déconseillées aux personnes souffrant de problèmes de la thyroïde ou d'occlusion intestinale ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans.